dear viewers of Equinox Television, thanks for joining us for this edition of the Midday Balingua newscast on Equinox Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yambou. Good day to you. Good day, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Un calme précaire règne à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun, après une journée d'hier marquée par de violentes tensions. Des séparatistes armés à bord des motos ont ouvert le feu sur des policiers en faction en plein centre-ville de Bamenda. Une attaque qui a ôté dans la vie à un policier. Une chasse à l'homme s'en est suivie avec des échanges de coups de feu entre séparatistes et forces de l'ordre. Par ailleurs, d'autres échanges de tirs entre groupes armés et forces de sécurité ont suscité de grosses frayeurs dans certains quartiers de Bamenda. Des commerçants apeurés ont déserté la boutique et certains habitants sont restés terreux chez eux et ont pu filmer des scènes de guerre dans les rues de Bamenda, comme vous le voyez sur ces images. Et sur ces braises ardentes de la crise anglophone, le Centre africain pour la promotion des droits humains dénonce les tueries et exactions commises sur des populations civiles dans les régions du nord-ouest et du sud-est Cameroun. L'ONG camerounaise accuse à la fois les militaires et bandes armées d'être à l'origine de ces tueries. C'est du moins ce qui ressort d'un rapport rendu public cette semaine. La synthèse de ce rapport dans ce reportage que signe Jean-Paul Chouignat. Dans le nouveau rapport de Center for Human Rights and Democracy in Africa, l'ONG camerounaise dénonce d'innombrables dérives, exactions, abus graves des séparatistes et militaires sur les populations civiles dans les régions en crise du nord-ouest et du sud-ouest. Assassinats, meurtres, exécutions sommaires et extrajudiciaires, kidnapping avec exigence de rançon, détentions arbitraires, tortures et exactions de toutes sortes perpétrées par des Amba Boys et les militaires. Durant les quatre derniers mois de mai à août 2020, révèle le rapport du CHRDA. L'ONG de l'avocat Félix Arbor-Bala Kongo cite en illustration les gaffes des deux belligérants sur des civils non armés. Dans cette partie du pays en guerre, les séparatistes menacent, kidnappent, violent et tuent les populations civiles. En mémoire, la décapitation de Comfort Toumassan à Mouyouka, l'enrôlement des enfants soldats dans le conflit armé ou encore la destruction des infrastructures. Côté forces de défense et de sécurité, les plaintes de Center for Human Rights and Democracy sont à n'en plus finir. L'on cite en vrac des opérations militaires qui ont ôté la vie à des dizaines de civils, incendié des centaines de maisons, interpellé des innocents, incarcéré et torturé à mort à Maoutou, Bangem, Tiko, Kumba, Opa Bondouma dans le sud-ouest, Bello, Ananja, la fusillade de Balimaket, Woum dans la région du nord-ouest. Relate ce rapport publié dans la journée du 31 août 2020. Déjà dans un communiqué de presse du 13 août 2020, le coordonnateur du CHRDA, Maître Arbor-Bala Kongo, appelait les séparatistes et les forces gouvernementales à mettre fin aux tueries, pillages, tortures, intimidations et détentions arbitraires dans les deux régions du Cameroun anglophone. Et dans la région de l'extrême nord, l'effondrement du pont Pala paralyse les activités économiques et commerciales entre les villes de Maroua et de Moura. La dégradation très avancée de l'infrastructure exaspère les populations. Ce pont, construit dans les années 80, n'a jamais été réhabilité selon les populations de Maroua qui dénoncent les promesses électorales non tenues et appellent les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités à main. Le reportage de Kediaha Amadou Dahiro. Moins de 72 heures après l'effondrement du pont Palar sur la nationale numéro 1 qui relie la ville de Maroua à N'Djamena, les populations digèrent toujours très mal la pilule. On a pleuré l'année passée au même moment le pont de Baouliol qui était à l'intérieur de la ville de Maroua. Mais aujourd'hui nous pleurons le pont Palar. Notre pays n'est pas un pays qui prévient, n'est pas un pays sérieux. On ne peut pas avoir un national numéro 1 pareil et qui n'est pas entretenu des années. Les autorités doivent, selon lui, accorder à la ville de Maroua le sérieux qui lui sied. Nous souhaitons que le gouvernement prenne ses responsabilités et prenne la région de l'extrême nord et notre population au sérieux. Ce n'est pas pendant les élections qu'on nous connaît
et on ne nous connaît pas sur le plan du développement parce que l'extrême nord est une bastion soi-disant du RDPC mais qui n'a jamais bénéficié même un kilomètre de route. Depuis 38 ans, on n'a pas eu un kilomètre de route bitumée. Immédiatement après l'effondrement du pont Palar, des mesures ont été prises par le maire de la ville afin de limiter les dégâts. Toutes les dispositions ont été prises pour que la circulation ne soit pas interrompue. Juste après l'incident de Palar, comme nous pouvons l'appeler ainsi, eh bien la voie de contournement a été identifiée et rendu public à l'intention, n'est-ce pas, de tous les usagers de la nationale numéro 1 qui vont vers Mora, Kousseri, voire même Djamena. Et la fluidité est effective sur l'ensemble du corridor que nous avons identifié et dont l'administration a validé. Des mesures jugées insuffisantes par Aboubakar Aladji, le président des jeunes du Septentrion, qui explique que l'effondrement de ce pont n'est que le début des catastrophes qui pourraient s'abattre sur la ville de Maroua avec les saisons de pluie. La saison de pluie, on a encore un mois qui va encore, il va pleuvoir. Donc les inondations vont continuer. Et à l'intérieur de la ville, d'où les camions font des déviations, sont des routes qui sont déjà dégradées, et qui sont en phase terminale. La ville de Maroua n'attend pas de matelas, des litres de diamaor ou des kits pour se coucher. Nous voulons des grands travaux. Et des grands travaux sérieux qu'on développe la ville de Maroua normalement. Après la réunion de crise de ce lundi, une autre réunion a été convoquée au cours de la journée du 1er septembre par Midiawa Bakari, le gouverneur de la région, qui annonce une forte délégation interministérielle dans la ville de Maroua au cours de la semaine prochaine. Et toujours dans ce registre des catastrophes naturelles, plusieurs jours après le glissement de terrain qui a ôté la vie à 3 personnes et détruit plusieurs maisons d'habitation en Ngouti dans le département du Koupé-Manengoumba, les populations sinistrées reçoivent un appui du chef de l'État, Paul Biya. Le préfet de ce département, Jean-Marie Tchakui, est allé évaluer l'ampleur des dégâts sur le terrain. Le reportage d'Elif Opposi. Une semaine après le glissement de terrain massif, l'arrondissement de Ngouti, département du Koupé-Manengoumba, dans le sud-ouest Cameroun, reste terriblement marqué par cette catastrophe naturelle. Vendredi 28 août dernier, quand la tragédie survient, des pans entiers de montagne s'affaissent. Conséquence, des maisons sont ensevelies. À cet endroit, 3 corps ont été déterrés, une femme et ses enfants. We're being removed. This is part of the tribal. The modern child will be removed and immediately buried around somewhere around here. Somewhere around here. Le désastre s'observe également à travers des routes bloquées. The route has been cut off completely cut off. It's in Gungun shop. The tet lance by the Gungun shop. C'est dans ce contexte de sinistre absolu que les populations de Ngouti ont reçu le préfet du département du Koupé-Manengoumba. Jean-Marie Tchakui est venu leur apporter le réconfort. After the landslide that occurred on Friday, last Friday in Open Congo, the honorable minister of state administration, Excellency Paul Atangandi, sent me to come and comfort the population and to hand to them the basic items sent by the head of state and excellency President Paul Biya. That's the reason why we are here today. We have seen how we handle the ceremony. Après le glissement de terrain, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, m'a envoyé avec un message du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui est conscient de vos souffrances. Il vous fait don de ces articles de base. C'est un accompagnement moral et matériel. Au total, 40 matelas, 100 couvertures, 100 seaux, 10 cartons de savon, 10 cartons d'huile, 10 cartons de sardines, 5 cartons de sucre, 20 sacs de riz et un appui financier de 3 800 000 francs CFA ont été distribués aux sinistrés.
On parle politique à présent. Depuis sa désignation comme présidente de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun, en remplacement de son époux décédé, Patricia Thomas Ndamjoya a effectué une descente sur le terrain. Le nouveau maire de Foumban s'est rendu à Koutaba pour remobiliser ses troupes autour des idéaux de leur parti pour les combats futurs. Mama Soufone, Isabelle Carole Zopet. À Koutaba, dans le Noum, région de l'Ouest, l'Union démocratique du Cameroun poursuit sa rentrée politique, entamée il y a quelques jours, après une longue absence observée depuis la disparition de son président fondateur, le docteur Adamu Ndamjoya, en mars dernier. Merci. Ici, les militants et sympathisants venus en grand nombre réservent un accueil chaleureux à la présidente du parti. Une occasion pour ces derniers de saluer une fois de plus la mémoire du disparu et de rappeler les multiples chantiers entamés par ce dernier pour améliorer les conditions de vie des populations. Une école à cycle complet, un centre de santé, un centre olympique ici à Koutaba. Les travaux de mise en œuvre ont déjà commencé. Ces populations réitèrent tout leur soutien à l'UDC dans cette bataille pour la conquête du pouvoir. Être et agir ensemble dans le savoir, le savoir-faire, le savoir-être pour rendre les citoyens camerounais heureux. Patricia Thomenou Ndamjoya, maire de Foumban, exhorte ses militants à rester fidèles à l'UDC. Nous sommes là pour vous dire merci. Vous êtes le bouchon de la résistance. Ça veut dire que c'est vous qui êtes là, là où il y a une porte qu'on ne doit jamais traverser. Et c'est vous qui êtes cette porte-là. Il est question pour l'Union démocratique du Cameroun, à travers ce périple, de remobiliser ses militants pour les échéances à venir. L'actualité à l'international à présent, plusieurs pays africains se préparent pour l'élection présidentielle qui se tiendra avant la fin de cette année, que ce soit en Côte d'Ivoire, en République centrafricaine ou encore en Guinée-Conakry. L'ambiance préélectorale est plutôt tendue. Le parti au pouvoir et l'opposition sont à couteau tiré. On fait le point avec Gladys Sidi. Sortie massive des soutiens de Laurent Gbagbo. Ils se sont réunis devant la commission électorale indépendante au dernier jour du dépôt des candidatures en vue de la présidentielle d'octobre prochain. Les nombreux partisans de l'ancien président de Côte d'Ivoire ont ainsi défié l'institution en bravant l'interdiction de rassemblement sur la voie publique instaurée jusqu'à la mi-septembre. Les soutiens de Laurent Gbagbo ont déposé sa candidature malgré sa radiation des listes électorales. L'acte que nous avons posé ce jour traduit notre volonté de nous insurger avec force contre l'exclusion par peur de notre candidat des compétitions électorales à venir. Peu importe si Laurent Gbagbo se trouve toujours à l'étranger, ses partisans ont foi en lui ainsi qu'à son élection à l'issue de la présidentielle à venir. Nous avons foi. Qu'il soit présent ou absent, le président Gbagbo sera élu en Côte d'Ivoire et sera le président de ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. C'est un citoyen qui est libre, il a été acquitté. D'aujourd'hui là, il a le droit de poser sa candidature. Guillaume Soro, lui aussi privé de ses droits civiques en Côte d'Ivoire et en exil, n'entend pas lâcher prise. Ses soutiens en appellent au Conseil constitutionnel. Que le Conseil constitutionnel aura la lourde responsabilité, après ce que notre pays a connu, de faire respecter les droits fondamentaux de l'homme et surtout de valider les candidatures. Et la classe politique en Guinée-Conakry se déploie aussi en vue de l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Alpha Condé sera candidat à un troisième mandat. Son parti l'a indiqué lundi 31 août, alors que les partis politiques d'opposition alliés à des organisations de la société civile ont multiplié des manifestations pour s'opposer à un troisième mandat de Alpha Condé.
Et puis en RCA, Catherine Samba Panza, l'ex-présidente de la transition de 2014, affiliée à aucun parti politique, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle. Et l'ex-chef de l'État centrafricain François Bozizé a lui été désigné par son parti. Du côté du parti au pouvoir, l'on n'a pas encore déclaré de candidat. Il y a peu de doutes sur l'identité de celui qui représentera le MCU. Le président sortant Faustin Archange Touadéra devait être investi cette semaine à l'occasion du congrès du parti présidentiel, mais il a été finalement repoussé d'un mois. L'élection présidentielle en République centrafricaine est prévue pour le 27 décembre prochain. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Immaculate Fogwe. Exactly, Nadiambu. Once more, good day to you, ladies and gentlemen, and thanks for staying with us for this other segment of the news in the English language. A intense atmosphere was reported yesterday in Bamenda, chief town of the northwest region of Cameroon. The sporadic gunshots, reports say, was sparked after a police officer was shot dead. Bustela has more from Bamenda. Panic gripped the population of Bamenda as from the commission of Eni, city chemists run about and small mankon, gunshots are fired. The commotion is as a result of the gunning down of a police inspector on duty by gunmen. As early as 3 p.m., the town of Bamenda was deserted. Market women ran away, abandoning food and other goods in the drizzling rain. Shops and offices were being locked up rapidly by their owners. The whole market, people that live shed there, where they don't lock. People that live shed there, inside the whole section, where they don't lock. You relock shed. On the streets of Bamenda, one could hardly make a difference between a person with disability, a pregnant woman, the young, and the old. Everyone ran as fast as their legs could carry them. At the time of this report, many are stranded in town. Taxis and bikes cannot be spotted easily. An unusual calm has engulfed Abakwa town. Bustela reporting from Bamenda. The Center for Human Rights and Democracy in Africa has documented a series of atrocities committed by the military in the northwest and southwest regions of Cameroon. Innocent Aze has more about those details. August 31st, 2020 report. The Center for Human Rights and Democracy in Africa, CHADA, exposes human rights violations committed by the military between May and August 2020 in the Anglophone regions of Cameroon. Despite its press release of August 13, 2020, for armed groups to stop committing rights abuses against civilians like killing, kidnapping and ransom demands, recruitment of child soldiers, intimidation and harassment of civilians, as well as the use of lethal weapons in communities. Between May and August 2020, the military, according to CHADA, has masterminded extrajudicial executions, arbitrary arrest, unlawful detention, looting and extortion, poor prison conditions, and inhumane and degrading treatment of detainees. Inhabitants have also seen their houses burnt down, including their villages, forcing them to flee and seeking refuge in bushes and other towns. The Barista Agbabala's rights organization reports that the military on Thursday, 28th of May 2020, conducted an offensive raid in the Upper Bonduma neighborhood situated in Buya, southwest region, which led to the killing of four unarmed young men in an uncompleted building where they were smoking cannabis. Still in the report, a native of Bangem, southwest region, Ebangi Breeze, was shot dead on Saturday, July 4, 2020 by the military for alerting separatist fighters and the population to escape when they entered the village for an operation. Breeze was killed and several others were arrested. Some were tortured and inflicted injuries.
A private house was also looted and later burnt down. Chada also reports military invasion of Modele village in Menchum Valley subdivision of the Northwest region on July 20. This day, they attacked the civilian population in reprisal for the death of three soldiers killed by separatist fighters. Houses were burnt down and three persons shot. Meantime, on August 13, 2020, the Defense and Security Forces opened fire on three children in Tiko Fako Division of the Southwest Region and killed a 17-year-old girl called Besem Blandin, who went hunting snails alongside two other boys. The military took them for separatist fighters. A boy escaped with bullet wounds in the hand. A lawyer who went following the case was arrested by gendarmes and kept in custody for one night at the Limbe Gendarmerie Command Post. Elsewhere in Maoto, Southwest Region, the military shot dead seven unarmed civilians in response to the gruesome killing of a woman in Moyoka, allegedly by separatist fighters. Before the killing, the military had raided a local church in the outskirts of Maoto and shot the pastor and three other boys. They invaded the church because worshippers shared a separatist ideology. Chada also holds the military responsible for the death of Welcome Mohamadu, a cannabis seller in Takija village in Kumbu, Bui Division of the Northwest Region on June 27th. Killing of two unarmed civilians in Ikiliwindi in the Meme Division, Southwest Region, causing many to flee when they arrived in search of separatist fighters. Regarding the arbitrary arrest and detention of civilians in precarious prison conditions, Chada regrets the sad death of Reverend Tangem Thomas in chains on his hospital bed in Yaoundé. With these atrocities and more, the Agbobalas organization calls on the government to investigate all atrocities documented in this report and bring perpetrators to justice and put an end to human rights violations and disrespect for the rule of law. Innocent Azer reporting. Some inhabitants who were recently affected by the landslide that hit the Bo hinterland in Guti subdivision, Kupe Maninguba division, southwest region of Cameroon, are still struggling to recover from all the losses they incurred. Recently, the government, through the senior divisional officer of the Kupe Maninguba division, Jean-Marie Chakwi, assisted these affected victims. Details with Smart Chikan Gabriel. Right now, we are presently at the situation where several zones affected by the mud flow that surprised Mbo hinterland villages in Guti subdivision till date haven't been touched. We are presently at the situation where the landslide claim to realize occurred. The structure was standing just behind this tree and the whole area is deserted. Right down there, you can see the roofs, the zinc that came up from the structure where the three persons were being killed by this massive landslide. Instead, the inhabitants whose main road collapsed as a result of the heavy downpour are now out struggling to see how movement can be effective from one village to another as they construct a makeshift bridge. The flood took away the lives of four persons and destroyed several properties. Due to the devastating effects of the mud flow, the government, through the senior divisional officer of Kupe Maninguba division, paid a visit to some of the flood victims. Jean-Marie Chakwi, apart from sympathizing with the population, gave out some materials to help them, and some say the gesture was timely, though small. I want to thank the committee made by the head of state. These are things they gave me. I lost a daughter in my village. The president of the SDO, the president of the mayor of Guti, I want to feel that if you have a problem, they know you in this Cameroon. This is my sister that lost a son.
lost a daughter. Receive money. Metras, burger, very soup, grano oil, fish, bunga, janga. The materials handed to the population were in different forms. The assistance was both financial and material. So there was some financial assistance we give to the bereaved family and to those who lost their houses and items as well had been handed to the population. Notwithstanding the support from the state, the affected population are calling on the government to urgently rehabilitate the roads that have been destroyed to enable movement into the 10 villages that make up Upper Nkongo and Nkongo Mbeng. He is struggling to get his way up to the compound. Smart Chikangebe reporting, and we now take you to the far north region of Cameroon, where a few days after the collapse of the Pala Bridge, the governor of the region, Mijiyawa Bakari, descended to the site in order to evaluate the severity of the damage incurred. Details in this report. The heavy downpour that triggered the collapse of the Pala Bridge on the 31st of August 2020 has halted circulation along the National Road No. 1. The bridge that links Marwa, Kuseri and Jamina has been cut off from the rest of the city. Inhabitants blame the government for being negligent to the plight of the people. Marwa la fille aînée du renouveau, Marwa la fille détestée du renouveau. The far north region of Cameroon has been abandoned by the government. Last year, we pleaded that the collapsed Bailio Bridge be fixed, but nothing has been done. Those leading this country are not serious. This bridge is on the National Road No. 1. How can such a road be abandoned? The government should be responsible. They need our services during elections, but when it comes to developing our area, they are absent. The incident provoked the descent of the governor of the region, Mijiyawa Bakari. He came to the site to evaluate the damages. After his visit, he immediately organized a crisis meeting where they deliberated on what could be done to remedy the situation. The city mayor of Marwa, Sani Babani, assured the population that measures have been put in place to ensure that circulation is re-established. Juste après l'incident de Palar, comme nous pouvons l'appeler. Immediately after the incident occurred, measures were taken in order to enable circulation. We created a deviation that can enable road users circulate freely. The problem we are working on now is setting up a timetable for heavy-duty trucks plying the stretch of road. Quels sont les horaires que nous allons appliquer pour que ces camions chargés? The population of Marwa are now counting on the efforts of the government so the bridge can be fixed. And that's it for this edition of the Midday Balingua newscast on Equinox Television. Have a blessed day in the company of our programs. Nadiambo, equally have a blessed day. Merci, Immaculate Fogwe. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.